Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut, shalom, Azul. Aujourd'hui, petite vidéo qui, pour une fois, ne traitera pas de notre voisin de l'Est. J'ai envie de faire une vidéo concernant l'amitié franco-marocaine. Une amitié d'exception. Pourquoi? Pour différentes raisons. La première, c'est que certains envient cette amitié. C'est une des raisons. La seconde, c'est que à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler de la France, quand je faisais une vidéo, ça n'a jamais été sous un bon œil, entre guillemets, vu que c'était pour répondre à des énergumènes qui dénigraient mon pays. Et à chaque fois que je parlais de la France, c'était, bon, vous connaissez. Mama França, etc., etc. Et enfin, la troisième raison, c'est pour témoigner ma gratitude à la France, le pays de ma naissance. Je ne peux pas dire plus que ça. La France, c'est le pays qui m'a donné vie. Donc, je ne peux pas être pas reconnaissant. C'est impossible. C'est le pays qui m'a nourri, c'est le pays qui m'a éduqué. Mes vidéos, je les fais en français, jamais je prendrai position contre la France. Et donc, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de faire une petite vidéo rapide sur le sujet suivant, l'amitié franco-marocaine. Deux pays, l'histoire millénaire, et qui ont réalisé de grandes choses ensemble. Par exemple, la mosquée Hassan II, que tout le monde connaît à Casablanca. Ça, c'est un chef-d'œuvre qui est dû à l'amitié franco-marocaine. Ou bien le TGV Al Borak. Ça aussi, c'est grâce à l'amitié franco-marocaine. France-Maroc, deux pays si différents, mais si proches en même temps. La France, pays de la gastronomie, hein? Qui c'est qui connaît pas la baguette? C'est grâce à la France que les Marocains ont connu la baguette. Hein? Et en France, qui c'est qui connaît pas le couscous? Grâce à qui les Français connaissent le couscous? Pareil que c'est le plat préféré des Français. Voilà des exemples de l'amitié franco-marocaine. Paris. Symbole, capitale de la France, le pays le plus visité du monde. Marrakech. Maroc, le pays africain le plus visité. La France qui a formé nombre de cadres marocains, notamment dans l'hôtellerie et le secteur du tourisme. Bref. La France qui a toujours témoigné le respect au Maroc et sa fidélité, par exemple à travers la place Mohamed V. Mohamed V qui fut le seul compagnon de libération décoré par Général de Gaulle. Ou bien encore, feu Sa Majesté Hassan II qui, quelques jours avant son décès, a eu l'honneur de voir défiler les troupes marocaines pour le défilé du 14 juillet 1999. C'était la première fois qu'une troupe étrangère défilait sur les Champs-Élysées. La France a donné cet honneur au Maroc. Voilà, c'est petite vidéo pour dire que la France et le Maroc, c'est deux pays amis et qui, je l'espère, moi en tant que franco-marocain, resteront amis jusqu'à la fin des temps. Et je veux terminer avec une image qui pour moi est symbolique, c'est cette belle petite voiture du futur qui Citroën qui a pour nom Ami et qui est produite au Maroc. Voilà. Mes chers amis, je vous laisse en vous disant vive la France, vive le Maroc. Salutations distinguées.